Imagine, les pilules c'est du HP up, j'en ramasse une pour tester, ça me fait HP up, j'ai tué la rune d'abondance et j'ai chopé 3 HP up. Donc ça va doubler la pilule. C'est... Oui, effectivement. C'est sympathique. Je vois un message. Il y a moyen de faire quelque chose de pété. Je vois les messages dans le chat. Hey, salut Saiko, comment ça et va? c'est quoi? Pretty fly, bah tiens, regarde. Hop, j'utilise l'abondance et paf! Ça double les drops, donc j'ai 4 bombes au lieu de 2 et j'ai mon triple bouclier de mouche. Voilà. C'est pas mal, effectivement. Sympathique l'abondance. Hein. Ouais. Bon, j'aurais pu utiliser sur autre chose de plus sympathique, mais. Et hop, je récupère le cerveau de Bob, explosif. On est bien, mes petits amis. T'as tellement de followers. Eh, hey, le Dead Cat, 2 items de Guppy, je prends. Bon, je suis à 1 HP, certes. Mais j'ai 2 items de Guppy, j'en chope un troisième. Et c'est Ursit. Là, je fais un pari risqué. Je l'avoue, le pari est assez risqué. Mais, il y a moyen de rentabiliser cette run. Il y a moyen de rentabiliser. Putain, j'en veux pas de ton bot Penny. J'en veux pas de ta merde. Donc, nous avons des... Je vais acheter une clé, ouais. Et je vais acheter en mesure de sécurité ce cœur éternel. J'en veux pas de ton truc. Voilà, je vais garder le saut en attendant que je chope la forme de vol. Et dès que j'ai la forme de vol avec Guppy, si j'en chope un... Ah bah tiens. Voilà. C'est là que tu récupères tous les items de Guppy. Bah c'est possible hein, j'avais bien chopé 4 dans la run d'avant. Ou dans la run encore avant, je sais plus. Oui. Ah mais là la run elle est poisée. Comme il a l'air agréable comme ce boss. Il est chiant mais bon ça va, j'ai des bons dégâts. Ce truc qui est chiant en fait c'est qu'il a tendance à sauter et tomber très rapidement sur toi. Donc il est assez dangereux. Megamall. En fou, j'ai barrière de protection, tu ne me fais rien. Si. Voilà. Chiant, Gardi. Et paf, ça fait du choc à pic. Alors j'ai un cerveau explosif en fait, c'est une espèce de... Voilà, je balance une grenade, elle repop au bout de quelques secondes. J'ai des mouches de protection qui sont là pour me défendre. Et les araignées. J'ai la tête de chat qui me donne 9 vies. Mais je suis à 1 HP. Et j'ai la queue du chat qui fait apparaître plein de coffres fermés à clé. Et que vu que si j'ai des clés, ben c'est maxi loot. Donc là en fait je fais un énorme investissement, c'est un énorme risque que je prends. Mais, il y a moyen de rentabiliser. Là, je fais un gros risque, quoi. En gros, c'est comme si j'étais pas en vie, mais que j'avais une grosse ultra dans les dents à balancer au mec qui me fonce dessus, quoi. C'est où ça passe, où ça casse. Voilà, quoi. Gluttony, si je le bute et qu'il me lâche un HP up, je rigole. Eh, plus de HP. Allez, allez, allez. Et voilà. GG, Gluttony. HP plus 2. On est bien mes petits amis, on est bien. Eh oui, on est bien. Je vais prendre la tique. Comme ça, les boss auront moins de vie. Et là, on est bien. Voilà, vous voyez, la run est assurée. Voilà, j'ai pris un risque, mon risque a été récompensé. Et là, je commence à être confortable. En même temps, je m'installe confortablement sur mon nouveau gros cul que je viens de dropper à l'instant. Mais on est bien, mes petits amis. Hop, rocher noir, oui, donne-moi de la vie. Ah, les runs scandaleux, c'était au tout début de mon stream. Celui-là, je vais les mettre sur YouTube, il y en a pour 3 heures de vidéo. Mais là, c'est pas encore trop scandaleux. Quoique, il se peut que ce soit, une run qui parte lentement. Nous verrons bien. Oh, un forget me now. Alors ça c'est la craquance absolue. Ça, je vais le garder pour toute la toute fin.
C'est craqué. Bon, ça va être chiant parce que du coup, je vais devoir sacrifier mon livre pour sauter. Donc je vais le rentabiliser au maximum. Mais le Forget Me Now, en fait, est un item en barre espace. Quand tu l'utilises, tu refais l'étage. Pourquoi faire ? Non. Tu dis, mais c'est débile, ça sert à rien. Et bah si, parce que du coup, tu refais un boss. Ah si, c'est complètement dégueulasse. Oui, tu refais un boss. Donc tu rechoppes l'item sur le boss. Tu peux rechoper un lit avec Satan. Tu rechoppes l'item à la salle au trésor. Et tu peux aussi refaire un magasin en plus. C'est de l'extra grattage. Et ça, c'est cool. C'est Nestlé, c'est bon la vie, quoi. Là, on est bien. On est bon, l'avantage, c'est que t'as encore l'argent niveau bombe aussi, donc... Ouais. Tu peux récupérer les salles secrètes et tout. C'est ça. Non, mais là, la run, sans être scandaleuse, comme le puriste que j'ai fait juste avant, je suis posé. Je veux dire, j'ai... Je suis pas trop dégueulasse, là. Il y a moyen de faire des trucs assez crades. Bonjour, Timo. Salut, Timo. Et bienvenue sur le Hello. Stream, et j'espère que le stream te plaît. Ah, j'essaie de faire un maximum d'entertain en faisant des trucs assez scandaleux. Mais là, je crois que j'ai un peu trop poussé ma luck pour la matinée. Donc là, j'ai des runs plutôt standards. Standard. J'aime ouais. Bien, tu viens de. Je viens à peine de te voir en train de convertir une araignée. C'était magnifique. Mais d'ailleurs, oui, pourquoi je m'emmerde de me dire est-ce que je vais claquer les bombes ? C'est vrai, j'ai le saut. Fuck you. Je saute par-dessus. Oui. Ah voilà. Saut gros pied balayette dans ta gueule. Franchement, j'irai mettre un Street Fighter un jour. J'aurai pas la flemme. Et paf, nous avons du loot. Bon, sur ce bain, par contre, je vais devoir vous laisser. Ça marche. On va aller faire un tour en ville. Et merci d'être passé, c'est sympa. Oh, mais de rien. Télépathique fort de mise. C'est de la merde en boîte, je n'en veux pas. Qu'avons-nous ah ici bon. C'est quoi les... C'est la run Guppy. C'est le hype. Voilà, je suis Guppy. Je suis un chat avec un fœtus crevé et un bandeau. Fuck you, I win at life. Voilà. J'ai gagné dans la vie. Voilà, j'ai gagné dans la vie. J'ai risque complètement récompensé. Voilà, Guppy est tellement OP. En plus, j'ai infestation. Il manquerait plus que je chope le BFF au magasin. Et c'est gagné. Oh merde, quel crétin. J'ai pas battu le boss et j'ai ramassé un cœur blanc. Ça, bon, ça va, c'est le husk. Bon, ça va si c'est le husk. Ça peut être encore rentable. Ça peut être faisable. Hop, et là, je vais économiser mes clés. Je vais bomber et passer par la salle secrète. Et paf ah, et là, nous avons... Raté. De la merde en boîte, donc je me casse. Ah, mais là, la run est rentabilisée, ça y est, j'ai une run pétée. Là, j'ai plus qu'à choper des. Non, mais j'ai plus qu'à choper des cœurs gris et des petits HP up. Et voilà quoi, j'ai pas une masse de dégâts, mais j'ai tellement invoqué de trucs sur la gueule des ennemis que c'est gagné. C'est gagné. You did it. Voilà, allez hop, damage up, on est bien. Voilà, je chope de la vie et je me casse. Et c'est gagné. Voilà, la run est gagnée. C'est win. Non mais, cassez-vous. Il n'y a plus rien à voir. Barrez-vous. Il n'y a plus de suspense. Barrez-vous. Allez voir des gens qui sucks parce que là, la run, elle est foutue. C'est gagné. Barrez-vous. La run, elle est foutue. Ouais, mais c'est gagné. Il n'y a plus de challenge. C'est gagné. C'est... Voilà, il n'y a plus de challenge. Ah ouais, non mais Guppy, c'est OP. À chaque fois que je tire... J'explique. À chaque fois que je tire et que je touche quelqu'un... J'ai des mouches bleues qui vont pop et qui vont aller sur l'ennemi. Voilà, tu vois, c'est... Et en plus, j'ai le tir infestation qui fait aussi popper des araignées. Et donc là, je suis en mode de... C'est comme si je jouais nécromancien sur Diablo 2. J'ai masse invocation. Moi, je suis tranquille, je supervise de loin et je laisse mes pets faire le boulot. De temps en temps, je balance un cerveau grenade, voilà, quoi. Ouais, c'est nécromancien slash witch doctor sur Diablo 2, Diablo 3, quoi. Pour tous ceux qui jouent à Diablo, je vous salue. Je vais taille. Ouais, hop, c'est la gratuité. Je me balade en mode kikoulol et c'est gagné. Y a plus de suspense, ma bonne dame. Ah oui, non mais le jeu, là, il est violé. Et je fais que ça depuis ce matin. Le jeu est pas dur.
il faut comprendre, c'est vous investissez guppy, les chats c'est la vie. Et là regarde, mais non, hop, forme de vol, je t'emmerde. Oh la tête de Tammy. Oh si je chope le brimstone avec la tête de Tammy, il y a moyen de rigoler. Ah, il y a moyen de rigoler. Donc là, j'en ai déjà un, c'est pas grave. Je vais garder pour l'instant la tête de Guppy, mais si je chope la tête de Tammy avec le brimstone derrière, ça va être extrêmement drôle. Voilà, je fais masse invocation d'araignée et... Bon, juste des drops. Je le suis, tristesse. Mais là, oui, le jeu, il est poutré, hein. Il n'y a plus de suspense. Donc c'est pour ça que je dis, barrez-vous, il n'y a plus rien à voir. Barrez-vous. La voilà. Z de run. Ah, quoi, la run, elle est tranquille. Ah, regarde, c'est du one-shot en règle. Barrez-vous, il n'y a plus rien à voir. Ah, c'est... Cassez-vous. The Mulligan, qu'est-ce que c'est? C'est le guppy en moins bien. En gros, t'as une chance quand tu touches et que quand tu touches quelqu'un, t'as une chance d'avoir des mouches qui te viennent en aide. D'accord. Ah, les larmes de Isaac. Collect tiges. Ok, ouais, bon, c'est... c'est un maxi tamis, quoi, je vois. Hop, je fais péter ceci et nous avons... Hop, une carte et encore plus d'invocations. Le pendu, je m'en fous, j'ai déjà la forme de vol. Voilà quoi, c'est... Le jeu est craqué. Le jeu est foutu. Voilà, regarde, hop, il n'y a plus rien. Barrez-vous. J'ai ma cerveau, barrez-vous. Voilà, il n'y a plus rien à... Voilà, la main est à peine tombée, elle est morte. Le jeu, Le jeu, là, il est tranquille. Hein. Ah quoi, forme de vol et je bourrine comme un sac. C'est ça, je vais finir avec une putain d'armée, exactement. C'est la run scandaleusement indécente. Et là, mes petits amis, vous voyez ce que je vois en bas à gauche du magasin? 1 plus 1 égale point d'exclamation, double drop. Nous avons un double drop, mes petits amis. C'est la run de l'indécence, à nouveau. Et là, regarde, nous avons 3 coffrets et maxi loot. Paf, c'est rentabilisé. Eh, honnêtement, est-ce que ça vous donne pas envie un truc pareil? Voilà. Voilà comment on gagne à Isaac. Vous investissez Guppy, vous investissez 1 plus 1 égale 2, et c'est le GG. 100% luck, no skill. Et on est bien. On est bien. Voilà, il faut pas avoir du skill pour jouer à Isaac, il faut juste comprendre comment ça marche. Et ce son, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hop, et là, j'investis avec mes bombes et hop, je chope un cœur gris. Ça devait être la merde d'Isaac. Ah, ouais. Ben voilà. C'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup de familier là quand même. Ah oui, non, mais attends, là, je peux... là encore, c'est rien. Je veux dire, on voit encore le sol. Là, je peux. Qu'est-ce que je fais? Il me reste un magasin. Je vais investir dans la boussole pour rusher. Et puis, bah voilà, je me casse. Hein. Et puis, au dernier magasin, je bourrerai donc la machine à donation pour les prochaines runs futures. Le son du. Ouais, bah c'était ça. C'était le rire de maman. Parce que maman essayait de me choper avec sa main. Et nous battons contre Guiche. Guiche qui, malheureusement, va se faire roxer le fion comme le dernier des malpropres. Ouais, il a quand même résisté un petit peu. Et voilà, Little Guiche est apparu. Nous n'avons pas de deal avec Satan, je suis tristesse. Mais bon, je suis OP. Donc ça ira. Nous allons maintenant taper maman. Nous avons un... Oh, nous avons un coffre à gauche. Un véritable coffre. Et aussi un coffre ici. La tête de Bob. C'est cool, mais ça sert à rien. Je garde la tête de Guppy. Hop, nous avons un vault. Et le vault. Et ben dans le vault, il y a masse et moult objets. Hop, damage up. Voilà, comme ça on est encore plus craqué. Et voilà. Et paf, je fais sauter ça. Et paf, je fais sauter ça.